ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avons vu la semaine dernière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les catégories du polythéisme. Puis, nous avons parlé des piliers de l'islam. Nous allons entamer maintenant le chapitre qui va détailler, incha'Allah, certaines règles attenantes à la prière, à la salat. Donc, comme on explique l'épître de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme vous savez, sur les points de jurisprudence, il y a certes sur certains points divergence entre les savants. Mais ici, on va se tenir à ce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui-même voyait de juste et l'expliquait. Et s'il y a certains points sur lesquels il y a divergence, je fais une ishara. Je dirais que sur ce point, il y a divergence, par exemple. S'il y a une divergence avec des preuves assez solides, je les citerai. Mais on reste, Inch'Allah, sur la base de l'avis du Cheikh. On explique ici l'épître du Cheikh, donc on reste sur l'avis du Cheikh, Inch'Allah. Ah. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Donc, les conditions de la salat. Qu'est-ce que cela veut dire, condition? Quand on dit une condition, chez l'Usuliyin, chez les savants des fondements de la jurisprudence, cela a un sens précis. C'est-à-dire une condition, si elle est absente, la chose qu'elle est venue conditionner est aussi absente ou invalide. C'est comme si elle n'était pas là. Et si elle est présente, cela ne prouve ni la présence, ni la validité, ni l'invalidité de la chose qu'elle est venue conditionner. Je vais vous donner un exemple plus clair pour que vous compreniez ce ta'rif, cette définition. Les ablutions. Celui qui n'a pas les ablutions, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait salat? Même s'il s'est levé, il s'est prosterné, il s'est incliné, il a récité, il a fait tout. Mais il n'a pas les ablutions. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait la salat? Non. La salat, là. Il n'a pas de salat. Taïeb. Donc, ça explique la première partie. Si la condition n'est pas présente, est absente, la chose conditionnée est absente aussi. Donc, s'il n'y a pas les ablutions, il n'y a pas de salat. Wadih, Inch'Allah. Taïb. Mais ce n'est pas parce que cette condition elle est présente que ça veut dire que la chose conditionnée est présente. Est-ce que toute personne qui a les ablutions, il fait salat? Des personnes, elles ont une des conditions parmi les conditions de validité de salat. Par exemple, avoir les ablutions. Cacher la nudité. Taïb. Toute personne qui a les ablutions et qui cache sa nudité, il est obligatoirement en salat? Non. Donc la présence des ablutions, ça ne prouve ni la présence, ni l'absence de la salat.
Mais par contre, son absence, ça prouve automatiquement son invalidité ou sa nullité ou le fait que la salat n'est pas présente. C'est ça la définition du shart, d'une condition chez les usuliyins, chez les savants de usul al-fiqh. Si on a compris cela, on va parler maintenant de shurut, des conditions de la salat. Les conditions, elles peuvent être de deux sortes. Shurut al-wujub wa shurut al-sihha. Les conditions d'obligation et les conditions de validité. Par exemple, quelles sont les conditions d'obligation? On va vous donner un exemple. Et certaines conditions d'obligation, elles sont en même temps une condition d'obligation et de validité. Certaines autres, non. Un exemple. Est-ce que le fou, il est obligé de faire la salat, celui qui n'a pas sa raison? Non. Donc, min shurut al-wujub, c'est qu'il est l'aql, qu'il est la raison saine. Est-ce que le kafir, on lui demande de faire salat? Ça, attention, on va... Répondez bien. Il y a un piège dans ce que je viens de dire. Est-ce que le kafir, Allah, lui a demandé de faire salat? Il a dit une bonne réponse. On ne le force pas. Mais le frère a dit oui. Les deux réponses sont justes. Allah lui a obligé de faire la salat, mais nous, duniawiyen, dans les règles de dunya, on ne le force pas. Dans les règles de ce monde, il n'est pas sous cette règle. Walakin ukhrawiyan, chez Allah, yawm al-qiyamah, il sera châtié pour son kufr et il sera châtié aussi pour avoir délaissé la salat. Quelle est la preuve de cela? Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant des kuffars qu'ils disent, ils diront en enfer, on ne faisait pas partie des musallin et on ne donnait pas à manger aux nécessiteux et on tergiversait avec les gens qui tergiversent et on traitait de mensonges le jour du jugement. Qui sont-ils? Ce sont les mécréants. Est-ce qu'un musulman est traité de mensonge le jour du jugement? Non. Enfin, Allah Ta'ala, quand il parle des koufars et qu'ils disent pourquoi ils se font châtier, ils citent aussi le fait qu'ils n'ont pas fait salat. Ils citent aussi le fait qu'ils n'ont pas donné à manger aux nécessiteux. Donc cela prouve que les koufars, le jour du jugement dernier, seront châtiés pour leur koufr et pour toutes les obligations qu'Allah a rendues obligatoires pour toute l'humanité qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Si on dit qu'un kuffar, Allah leur demande aussi de faire toutes les pratiques religieuses, mais elle n'est acceptée d'eux que avec la foi. Sans la foi, ce n'est pas accepté. Certains qui ont contredit cette règle-là, ils disent oui, mais comment on peut leur demander une chose alors qu'elle n'est pas valide? On leur répond, et ça c'est pas moi qui réponds, c'est Mohamed Al-Amin Shinqiti dans Tadkira fi Usul al-Fiqh, il leur répond, rahimahullah, que effectivement, si on leur demande de faire ces actes, mais sans la foi, ces actes ne sont pas acceptés. Comme on demande à quelqu'un qui n'a pas le wudu de faire salat, et sans le wudu, sa salat ne sera pas acceptée. On lui demande de faire salat, mais avec les conditions d'acceptation, avec le wudu. De même à ce kafir, on lui demande de faire les obligations religieuses, mais avec la condition d'acceptation et la condition de validité de ses actes, qui est l'iman, qui est la foi. Donc quand Allah donne un ordre, il donne l'ordre aussi de toutes les choses qui sont nécessaires pour que cette chose soit valide. Et effectivement, Allah il a ordonné aux kuffar et à tout le monde. Les ordres qu'Allah a révélés, ils sont pour toute l'humanité. Sauf que les koufars, il y a un shart, une condition de validité dans leurs actes qui n'est pas présent, qui est l'iman, la foi. Tant qu'ils ne l'ont pas, tous leurs actes sont invalides et tous leurs actes sont vains et sont rejetés. Pourquoi je dis ça? Je parle de ce point-là un peu en détail car c'est important. Vous allez trouver dans les livres des savants les conditions d'obligation de la salat, certains vont mettre l'islam. L'islam. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Quand ils mettent ça dans les conditions d'obligation, ça c'est dans les règles de dunya, dans les règles de ce monde. C'est-à-dire que nous, on ne va pas le contraindre à faire salat tant qu'il est kafir. Ça ne veut pas dire par là que Allah ne lui a pas rendu obligatoire le fait de faire salat et qu'il ne rendra pas des comptes sur le fait d'avoir délaissé salat. Cette règle, elle est essentielle.
Car si on ne reconnaît pas cette règle, alors on peut dire qu'on peut aider un kafir à faire le haram. On peut lui donner du haram. Alors que si on reconnaît cette règle, tu n'as pas le droit de donner quelque chose de haram à un kafir. Tu n'as pas le droit de l'aider à faire quelque chose de haram. Tu n'as pas le droit de lui donner à manger pendant Ramadan. Tu n'as pas, etc., etc. Tout ça, il y a des règles qui en découlent. Tu n'as pas le droit de lui offrir quelque chose qui est haram pour toi. Quelque chose qui est haram pour toi, c'est haram de l'offrir aussi même à un kafir. Sinon, pourquoi alors on offrirait pas des bouteilles de vin, par exemple? Pour eux, c'est pas haram. Alors, c'est dangereux de dire le contraire de cette parole-là. De même, pendant Ramadan, tu n'as pas le droit de donner à manger à un kafir ou de lui vendre à manger tout prêt en sachant qu'il va le manger tout de suite. Tu n'as pas le droit. Tu l'aides à faire une désobéissance. Lui, il est ignorant. Mais toi, tu n'es pas ignorant. Toi, tu sais qu'Allah, il a rendu ça obligatoire. Donc toi, en faisant ça, tu l'aides à faire quelque chose qu'Allah n'aime pas, n'est-ce pas? D'où pourquoi les ulama disent que, par exemple, pendant Ramadan, il est mieux de fermer les restaurants, etc. Plutôt que de vendre de la nourriture en pleine journée, alors qu'on sait que la majorité des gens, ils vont ne pas respecter la règle du Ramadan, ils vont manger. Donc, il faut comprendre d'où les fatawas, elles viennent. Ça, c'est la base. Et si tu sais que donc le kafir, tu ne dois pas l'aider à faire une chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, donc toutes les règles qui en découlent, tout ce qui est haram pour toi, tu ne peux pas le donner, tu peux pas aider un kafir à le faire. Tayyib, une parenthèse. Est-ce que si tu as un parent kafir qui vient chez toi pendant Ramadan et il se fait un café et il boit lui-même, est-ce que tu l'en empêches? Tu ne l'empêches pas. Voilà la différence, elle est où? Tu ne l'aides pas, mais tu ne l'empêches pas. Est-ce que tout ce que tu vois pour les koufars manger pendant Ramadan, les achètes, tu l'empêches? Tu dis, qu'est-ce que tu manges? A'udhubillah. Est-ce que tu fais ça? Non. Donc, il faut bien comprendre la règle. Tu ne dois pas l'aider, toi, à faire cela. Mais si lui-même, il le fait tout seul, même chez toi, tant que, bien sûr, ce n'est pas un produit qui est illicite de rentrer chez toi, par exemple, il rentre chez toi pendant Ramadan, il se fait un café. Il boit un café. Tout seul, il se le fait. C'est pas toi qui lui as fait. Il n'y a pas de mal. Tayyib Inch'Allah, c'est clair? Ça, c'est important, cette règle. Donc là, quand on va parler des conditions de validité de la salat, on va se concentrer sur shurut as-siha, les conditions de validité, car c'est celle que Cheikh Ibn Baz a cité, rahimahullah. Première condition, al-islam. On va toutes les citer, après on parlera, Inch'Allah, en détail. Al-islam. La deuxième condition, al-aql, être saint d'esprit. La troisième, et-tamiz. Et-tamiz, c'est avoir atteint l'âge de raison. C'est-à-dire qu'on comprend. Ça ne veut pas dire la puberté. C'est avant ça, et-tamiz. On va expliquer, Inch'Allah. Quatrième condition, c'est d'être en état de pureté rituelle. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en état d'impureté rituelle, majeure ou mineure. Ni en état de janaba, ni en état d'impureté rituelle mineure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les ablutions. Cinquième condition, être exempt de toute souillure. On va en parler, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de najasat, d'impureté. Sixième condition, c'est se couvrir les parties obligatoires à couvrir. Septième condition, se trouver dans la plage horaire de la salat. Huitième condition, se diriger, s'orienter vers la qibla. Et neuvième condition, an-niyya, l'intention. Donc ceci sont les neuf conditions de validité de la salat. Les trois premières conditions, c'est être musulman, être saint d'esprit et avoir atteint l'âge de raison. Premièrement, car comme on a dit, les actes du kafir, ils sont invalides. Donc quelqu'un, n'importe quel mécréant qui fait des actes, ces actes ne sont pas valides. S'il fait la salat, s'il jeûne, s'il fait quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas l'iman, ses actes ne sont pas valides. Non. Une parenthèse, les gens diront, alors si un kafir fait du bien, tous les koufars qui font du bien, mashallah, certains disent que, et certains par exemple parmi les musulmans, n'arrivent pas à comprendre, ou alors, bon, malheureusement, comme ils n'ont pas eu une éducation dans la foi et religieuse assez développée, ils se disent que quelqu'un qui fait du bien, il ne peut pas aller en enfer. Comment ça? Il aide les pauvres, il a sacrifié sa vie, il vit au milieu du désert, au milieu des villages paumés dans la jungle avec les pauvres. Toute sa vie, il a travaillé pour les pauvres.
mais il n'est pas musulman. Certains qui sont ignorants croient que ceci est de l'injustice s'il ne va pas au paradis. Car ils n'ont pas compris l'importance du tawhid. Ils n'ont pas compris qu'Allah a créé l'humanité pour le tawhid. Allah n'a pas créé l'humanité juste pour qu'ils aillent nourrir les pauvres. Ça suit le tawhid. Mais Allah Ta'ala a dit, je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour m'adorer. C'est-à-dire pour adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne qui n'a pas fait ça, il est sorti de son objectif. Ou il lui a donné des associés s'il est dans une autre religion, ou il a mécru en ne croyant pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou en rejetant certaines choses de l'islam. Donc cette personne, ne croyez pas qu'Allah sera injuste avec lui. Allah va le récompenser, mais dans le dunya, dans ce monde. Tout ce que les koufars ils font comme bien, Allah il lui donne la récompense, mais dans ce monde. Comme ça, dans l'au-delà, il n'aura rien à récupérer. Amma le croyant, Allah Ta'ala lui garde sa récompense pour l'akhira, pour l'au-delà, et il lui donne qu'un petit peu de baraka, la baraka de ses bonnes actions, pour lesquelles, alhamdulillah, il trouve une certaine aisance, une certaine ouverture, une certaine facilité dans le dunya, pas à la cause des bonnes actions, alhamdulillah. Mais la vraie récompense, elle est dans l'akhira. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, par exemple, il était très dur avec les compagnons qui s'élargissaient dans les choses de dunya. Quand il voyait qu'ils avaient trop de choses de dunya, il avait peur. Il disait, s'il a tellement de choses de dunya, ça veut dire qu'il a reçu presque toute sa récompense. Il n'aura rien dans l'au-delà. Il avait peur. Un jour, il a rencontré son fils aller au marché. Il a dit, où vas-tu? Il a dit, je vais au marché. Il a dit, tu vas faire quoi? Il a dit, je vais acheter de la viande. Pourquoi? Il a dit, pourquoi tu vas acheter de la viande? Il a dit, on a eu envie de manger de la viande. Il lui a dit, pourquoi? Vous mangez tout ce que vous avez envie. Après, il lui a récité ce verset. Vous avez épuisé tous vos biens dans ce monde. C'est-à-dire qu'il avait peur que celui qui s'élargit trop dans les choses, même halal, de ce monde, que dans l'au-delà, il n'aura pas toute sa récompense complète, car il aura usé une partie dans ce monde. Amma hadha, on n'en parle pas aujourd'hui, on vous demande juste de délaisser le haram. Barakallahu fikum. Déjà, si les musulmans ils délaissent le haram et ils font le halal, aujourd'hui c'est des muttaqin. On ne va pas leur demander ce qui est un degré supérieur d'ascétisme qui est légiféré. Pas l'ascétisme comme les bouddhistes ou les... Hein, qui est légiféré selon la charia. Et c'est pour ça, Omar, il mangeait de la nourriture que personne ne supportait. Personne n'arrivait à manger avec lui. Tout le monde est venu le voir. Les femmes du prophète, Hafsa, elle est venue le voir. Anha, change ta nourriture, Allah, tes compagnons, ils n'arrivent pas à supporter. Ils ont dit, vous voulez me dévier de la voix de mes deux amis, de la voix de Rasulullah et de Abu Bakr. C'est ça que vous voulez. Vous voulez me dévier. Wallah, je ne dévierai pas d'un menampant, je resterai sur leur chemin. Pas à pas. Après, il a rappelé à Hafsa. Tu te rappelles, quand je suis venu chez toi et j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur une natte. Et la natte avait laissé des traces sur son flanc. Quand il s'est levé, j'ai pleuré, j'ai vu les traces sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, les rois de ce monde, les koufars, ils dorment sur des lits. Toi, tu es le messager d'Allah, regarde comment, dans quel état tu es. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, tu préfères qu'eux, ils aient l'au-delà et nous, on est ce bas monde. Il a dit, je ne suis que dans ce bas monde que comme un passager, comme un voyageur qui s'est allongé à l'ombre d'un arbre et qui se relève et qui part. Dans une autre version, il a dit, Mali walid dunya. Qu'en ai-je à faire de ce bas-monde? Après, Hafsa a pleuré. Il a rappelé à Aïcha radiallahu anha aussi. Tu ne te rappelles pas, pendant 2 mois, vous n'aviez pas de quoi manger un repas chaud chez vous? Vous ne mangez que de l'eau et des dattes? Donc, Omar radiallahu anhu, il était dur avec les compagnons. Pourquoi? Parce qu'il disait, vous êtes les exemples. Si vous vous élargissez trop dans les choses de dunya, les gens ils vont vous suivre. Donc il était très dur avec eux. Et il a été visiter les compagnons en surprise au Cham, qui était en Syrie. Il a vu que, mashallah, parce que la vie du Cham, la vie en Syrie, elle était beaucoup plus développée que la vie en Arabie, dans le désert. Donc quand il est arrivé là-bas, il les a vus, mashallah, ils ont eu des bienfaits, plus que ce qu'ils avaient avant. Il a réuni tout ce qu'ils avaient comme affaire. Dans le milieu de la maison, il les a tapés, il les a mis en boule, il a dit, attendez, je reviens, vous allez voir. Un par un, il les a dressés.
un par un, jusqu'à qu'il est arrivé chez Abu Dharr al-Ghifari. Il a trouvé qu'Abu Dharr, il n'avait pas de lumière, il avait un vêtement tout fin, alors qu'en Syrie il fait froid. Il l'a touché comme ça, il l'a touché, il a dit: ah, ya Amir al-Mu'minin, c'est toi? Il dit: oui, je t'attendais. Toute la nuit, ils se sont rappelés comment ils étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pleuré toute la nuit. Et ils se sont rappelés comment ils étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment maintenant Allah Ta'ala leur a ouvert les portes de ce baron. Al-Muhim, on a ouvert une parenthèse, c'est pour vous dire que les koufars, Allah Ta'ala, il leur donne leur récompense dans ce monde, et que certains croyants pieux, ils avaient peur quand ils avaient des trop de choses dans ce monde, qu'ils ont épuisé toutes leurs récompenses dans ce monde, et qu'ils n'auraient plus rien ou pas assez dans l'au-delà. Non. Que dirons-nous de ceux qui ouvrent la porte du haram? Donc, al-kuffar, Allah Ta'ala, ils n'acceptent pas leurs actes, et s'ils font du bien dans ce monde, Allah les récompense dans ce monde. Wadih, inshallah. Non. Amma al-majnoun, celui qui n'a pas sa raison, c'est normal que ses actes ne sont pas acceptés, car quelqu'un qui n'a pas sa raison, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne peut pas faire un acte en mettant l'intention pour Allah. C'est-à-dire, il ne fait pas un acte raisonné. Ses actes, ils ne sont pas raisonnés. C'est du brouillon. Il fait un jour, il fait tel acte, un jour, il dit telle parole, un autre jour, il dit autre chose. Il ne sait pas ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Donc, comment ses actes pourraient être acceptés? De même, as-sabi, le petit qui n'est pas encore, qui n'a pas la raison. Par exemple, un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans. 5 ans, ça dépend. À 5 ans, il y en a, ils commencent à bien comprendre ce qu'ils font. Mais en général, 4 ans, 5 ans, 3 ans, il ne sait pas ce qu'il fait, même s'il fait salat à côté de toi. Sa salat, là, c'est quoi? C'est qu'un jeu. Il fait comme ses parents, il fait comme ses frères et sœurs, il te regarde, il rigole, il se relève. C'est juste pour l'habituer. En plus, c'est pour ça que nous, on ne l'appelle pas à faire salat avant qu'il ait 7 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih: ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de 7 ans. Donc il n'a pas ordonné de les demander de prier avant. Avant l'âge de 7 ans, c'est une erreur de dire aux enfants: viens prier avec moi, laisse-le. Avant l'âge de 7 ans, laisse-le. Laisse-le jouer, s'il veut venir, il vient, s'il ne veut pas venir, il ne vient pas. Laisse-le faire ce qu'il veut. Juste qu'il ne te dérange pas, demande-lui juste qu'il ne te dérange pas pendant salat, qu'il ne passe pas devant toi, qu'il ne court pas partout. Hein? Pareil, il ne faut pas, par exemple, le mettre au milieu du rang. Un enfant qui n'a pas la raison, on ne le met pas au milieu d'un rang, on le met au coin d'un rang. On le met au coin d'un rang. Pour pas qu'il dérange et pour pas qu'aussi ça coupe le rang. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, ça c'est pour les trois premières conditions. Quatrième condition, être en état de pureté rituelle, si on a la capacité. On va parler après de l'incapacité. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith sahih, rapporté par Muslim, Abu Dawud et Tirmidhi, une prière sans pureté rituelle n'est pas acceptée. Donc, toute prière sans l'wudu, elle n'est pas acceptée. Sauf ma'al ajz, c'est-à-dire avec l'incapacité. Quelqu'un qui a l'incapacité de faire les ablutions. Quelle est l'incapacité? Il est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et il ne peut pas trouver d'eau avant l'heure de sortie de la prière. Il sait qu'il pense que dans un rayon de je ne sais combien de kilomètres, en cherchant un petit peu, il ne peut pas trouver d'eau. Il pense qu'il ne peut pas trouver d'eau. Et que l'heure de salat va sortir. Il a peur que l'heure de salat sorte. Donc celui-là, il fait tayammum, les ablutions sèches. C'est le fait de taper avec ses deux mains le sol, puis d'essuyer son visage et ses mains. On tape une fois le sol, on passe sur le visage et on passe sur les mains, c'est-à-dire des poignets seulement. Des poignets, à partir des poignets jusqu'au bout des doigts, inch'Allah. C'est ce qui est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Sur les mains. On tape sur le visage et on passe sur le dessus des mains comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Alayhi salatu wassalam. Dans quel cas aussi les ablutions sèches sont permises? Donc, quand la personne ne trouve pas d'eau, ou bien qu'il est dans un état qui est comme celui qui n'a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il a de l'eau, mais il ne peut pas l'utiliser. Le fait d'utiliser l'eau, ça peut être dangereux pour sa vie ou pour sa santé. Comme c'est arrivé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam,
Donc, dans ce cas-là, la personne, il lui sera autorisé de faire les ablutions sèches. Si par exemple, il a une maladie et que le fait de faire les ablutions, ça peut empirer ou retarder la guérison, alors il fera les ablutions sèches. Si par contre, il peut utiliser de l'eau chaude et se sécher et qu'il ne pense pas que ça va empirer sa maladie ni retarder sa guérison, il devra utiliser l'eau chaude. C'est à lui de voir. C'est à lui d'estimer cela. S'il estime que c'est dangereux pour lui ou bien ça peut retarder, ce n'est pas seulement le danger, même si ça peut retarder la guérison, alors il n'utilisera pas l'eau, il utilisera le tayammum. Il fera le tayammum. Voilà. Amma, ce qui est rapporté par certains savants d'unir entre le wudu et le tayammum, hadha da'if. Ça, il n'y a pas de preuve sahiha sur cela. Une personne, ou bien elle peut faire le wudu, ou bien si elle ne peut pas faire le wudu, elle fait tayammum. Amma, s'il y a des parties du corps qui sont blessées, dans ce cas-là, il lavera toutes les parties qui sont saines et il ne touchera pas, il n'aura pas l'obligation de laver la partie qui est blessée et ça suffira. Car Allah Ta'ala a dit, fattakullaha mastata'tum, craignez Allah tant que vous pouvez. Et ça, il ne peut pas. Par exemple, s'il a un pansement à la main, ou il a un pansement sur une partie de sa tête, ou il a un pansement ou un plâtre sur son pied, alors il lavera toutes les parties obligatoires à laver et il ne sera pas obligé les parties qui sont couvertes par le pansement. Certains savants ont dit qu'il devra faire le mesh. Il devra effleurer le contour du pansement en entier, pas comme pour le khouf. La khouf, il faut juste le haut. Mais pour le jabira, ils disent qu'il faut effleurer tout le pansement. Et certains d'autres voient qu'il n'y a aucun dalil, aucune preuve qui donne l'obligation de faire le mesh sur le jabira. Les hadiths qui sont rapportés dans cela, ils sont faibles. Quoi qu'il en soit, celui qui veut la sécurité, par sécurité, il veut passer sur le pansement, khurujan min al-khilaf, pour sortir de la divergence des savants, il le fait, sauf si, aussi que si l'eau elle touche le pansement, même en effleurant, ça peut être dangereux, dans ce cas, il ne le fait pas. Il lui suffira de laver les parties qui sont dénudées, et il laissera la partie qui est couverte du pansement, et il prie comme cela. Il n'a pas besoin de faire tayammum avec. Bien que certaines fatawas disent ça, mais as-sahih, c'est qu'il n'a pas besoin. Wadih, inshallah. Donc ça, c'est at-tahara en ce qui concerne les ablutions. Maintenant, les grandes ablutions. Une personne dont son mani, dont le sperme est sorti avec force, alors elle devra faire les grandes ablutions, obligatoirement. Une personne aussi qui approche sa femme, même si le mani n'est pas sorti, il suffit de l'avoir approché, c'est-à-dire que il est pénétré et il est obligé de faire les ablutions. Il est obligé de faire les ablutions, même si il s'est arrêté à là. Les grandes ablutions, le ghusl. L'épouse aussi sera obligée de faire le ghusl. Une femme, après ses lochis, une femme, après ses menstrues, elle est obligée aussi de faire le ghusl. Donc voilà les moments où le ghusl est obligatoire. Là. Donc ça, c'est en ce qui concerne la quatrième condition qui est se purifier de l'état d'impureté, que ce soit majeur ou mineur. La cinquième condition, c'est le fait que l'heure soit entrée, la plage horaire. Al-tahara min al-khabath, c'est quoi? C'est de purifier ses vêtements, son corps et le lieu où on prie des impuretés. Ça, c'est une obligation dans la salat. Que les vêtements, ils ne soient pas touchés par l'impureté. Que le corps, il n'y ait pas quelque chose parmi les impuretés qui reste sur le corps. Et que l'endroit où on prie soit pur. L'endroit où on prie, il doit être pur. Taïb. C'est quoi les impuretés? Comme par exemple l'urine, comme par exemple les excréments, comme par exemple la salive du chien, comme par exemple la bête morte, c'est une impureté, etc., etc. Parmi les choses dont les savants ont divergé, c'est al-khamr, c'est-à-dire l'alcool. L'alcool est haram, l'ijma. On ne parle pas du fait de le consommer, c'est haram. On parle du fait s'il touche un vêtement. Est-ce qu'il est impur ou non? Sur cela, les savants ont divergé. Et donc, entre ceux qui disent que le fait qu'Allah Ta'ala a dit que c'est une impureté,
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc ils ont dit, Allah Ta'ala, il a appelé ça rijs, impur. Donc c'est une impureté physique. Certains savants ont vu que ce verset justement est une preuve contraire, que c'est une impureté morale. Car Allah Tabarak wa Ta'ala, ici il cite Al-Khamr, Wal-Maysir, Wal-Ansab, Wal-Azlam. Et tout cela, Al-Khamr, l'alcool, Al-Maysir, les jeux de hasard, les pierres dressées pour les sacrifices, et les flèches de prédilection. Donc tout ceci, personne ne dit que si par exemple un jeu de cartes, c'est un jeu de hasard, est-ce que si la carte elle te touche, il faut que tu purifies ton vêtement? Non, c'est une impureté morale. Parce qu'Allah Ta'ala dit « Rijsun min amali shaytan ». C'est une impureté parmi les actes de shaytan. Donc ce qui prouve que l'impureté ici est morale et non physique. Comme l'impureté du kafir. Comme Allah Ta'ala dit « إنما المشركون نجس. Les associateurs sont impurs. Est-ce que cela veut dire que c'est une impureté physique ou morale? Non, morale. Elle est morale, c'est ce qu'ils portent comme croyance qui est impur, non pas leur corps. Sauf si tu vois une impureté ou alors il a consommé une impureté, etc. Mais sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas une impureté qui touche directement, alors il n'est pas impur. Sinon, tous les compagnons n'auraient jamais vendu, acheté avec les koufars. Comment on aurait pu se marier avec une femme al-kitab, une chrétienne ou une juive? Elle est impure, on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas la toucher dès qu'elle nous touche. Elle fait à manger, obligatoirement, elle fait à manger, sa main, etc. Elles vont toucher la nourriture. Donc c'est impossible de dire cela. Donc, ça c'est dans le même sens. Inch'Allah, c'est dans le même sens. Aussi la preuve, c'est qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interdit, la consommation d'alcool a été totalement interdite. Les tonneaux de vin ont été versés dans les rues de Médine. Si c'était une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné de les verser loin, pas dans la rue. Comme il a ordonné de toujours faire les besoins à un endroit loin du chemin des gens, loin de l'ombre des gens. Donc de même, il aurait ordonné de là que si c'était impur, qu'ils le mettent loin. C'est sûr que si c'est dans des rues, les gens ils vont marcher dessus. Et après, ils vont aller prier. Wadih. Donc, Wallahu a'lam, le plus juste, c'est que c'est une impureté morale et non une impureté physique. Donc, si par malencontreusement, tu marches dans la rue, une goutte d'alcool touche ton vêtement, c'est mieux de la nettoyer par sécurité. Toujours quand on peut sortir de la divergence des savants, on sort. C'est mieux la sécurité. Barakallahu fikoum. Donc, celui qui la nettoie par sécurité, c'est mieux. Mais s'il n'a pas les moyens de la nettoyer, il prie, Inch'Allah, sa salat est sahiha, car ce n'est pas une impureté. On ne va pas rentrer dans les détails des impuretés, il y a trop de choses à dire. Donc, nettoyer son corps, ses vêtements et le lieu où on prie, les impuretés. Tayyib, en ce qui concerne les impuretés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plupart des châtiments dans la tombe sont à cause du fait de ne pas se bien nettoyer l'urine quand on va aux toilettes. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens négligent. Bien se nettoyer quand on va aux toilettes, c'est une obligation. Se préserver de l'urine, que l'urine reste sur notre corps ou que l'urine touche nos vêtements, c'est une obligation. Barakallahu fikoum. Il ne faut pas exagérer en cela au point de se blesser, au point d'avoir des waswas, mais il faut faire au moins ce qui est nécessaire pour se nettoyer. L'obligation, c'est au moins d'utiliser trois matières pures, sèches, à part les eaux et le crottin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser dans l'istinja. Mais par exemple, les papiers toilettes, si quelqu'un n'a pas d'eau, il peut utiliser le papier toilette, au moins minimum trois papiers. S'il en faut plus pour qu'il n'y ait plus de gouttes, alors il en utilise plus. Mais il n'aura pas besoin d'exagérer au point de se blesser. Il n'aura pas besoin d'exagérer au point de se blesser. Allah Ta'ala lui demandera compte que sur ce qu'il voit. Ce que tu vois, tu le nettoies. Si tu ne vois pas, tu ne commences pas à te poser des questions. Ah, peut-être il y a encore des impuretés. Ça, c'est du waswas de shaitan. Ce que tu vois, tu nettoies. Ce que tu ne vois pas, tu n'as pas à le nettoyer. C'est fini. Mais au minimum, il faut trois. Utiliser trois papiers ou un nombre impair, Inch'Allah. Si on utilise plus, on finit par un nombre impair. Mais l'eau, c'est mieux.
Si on peut utiliser l'eau, c'est beaucoup mieux, car c'est plus propre, ça nettoie mieux. Alhamdulillah. De même pour les grands besoins, c'est la même chose. C'est la même chose que pour l'urine. Donc, il faut faire attention à bien se nettoyer et à ce que ces gouttes-là ne tombent pas, ne touchent pas nos vêtements. Surtout ceux, par exemple, qui font leurs besoins debout, qui urinent debout. Comment ils peuvent uriner debout ici, dans des endroits où c'est en faïence, etc., tout éclabousse. Ça éclabousse partout, ça touche les vêtements. Comment ça, il peut faire ça, Nathan? Donc, s'il urine debout, il faut qu'il fasse très attention. Il faut faire attention que ça éclabousse pas. La majorité du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait assis. Aïcha radiallahu anha disait, celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, il ment. Bien qu'en réalité, il a été rapporté qu'il l'a fait debout, mais rare. Donc c'est permis, à condition qu'on soit préservé des impuretés. Si par contre, on sait que ça va éclabousser, il faut uriner assis, barakallahu fikou. Non. Donc se préserver des impuretés, c'est très important. Son corps, ses vêtements et le lieu où on prie. La prochaine condition, c'est se trouver dans la plage horaire de la salat. Se trouver dans la plage horaire de la salat. Prier avant l'heure, c'est pas valide. Prier après l'heure, ce n'est pas valide. Allah, il t'a demandé salat à un moment précis. Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la salat est pour les croyants à des heures déterminées. Allah, il t'a demandé dans cette plage horaire de faire salat. Il ne t'a pas demandé ni avant ni après. Il t'a demandé dans cette plage horaire. Pas avant et pas après. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il voit que même quelqu'un qui a délaissé la salat volontairement, par manquement, jusqu'à que l'heure sorte, alors il n'aura plus à la faire. Il devra faire juste tawba et faire beaucoup de nafila. Ça y est, même s'il l'a fait, elle ne sera pas valide. Même s'il l'a fait, elle ne sera pas valide. Mais il fera des nawafil, des prières surérogatoires. Sinon, à quoi ça sert de faire un début d'heure et une fin d'heure? Pourquoi Jibril, alayhi salam, il est venu 2 jours de suite pour montrer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les horaires de salat, le début d'heure de salat, la fin d'heure de salat? Si on peut la faire quand on veut, on peut la rattraper quand on veut, on fait comme on veut. Ça sert à rien alors qu'il y ait des horaires de salat, barakallahu fikum. Donc, la salat, elle doit être faite aux heures précises. Il y a certains cas où la personne, il peut les réunir entre Dhuhr al-Asr, al-Maghrib et l'Isha, par exemple, les deux prières du jour et les deux prières de nuit, comme le voyageur, comme la personne qui est dans un besoin, même s'il n'est pas voyageur, il a un besoin essentiel, c'est une difficulté pour lui, exceptionnellement, il réunit entre Dhuhr al-Asr, al-Maghrib et l'Isha, c'est déjà arrivé au temps du prophète, ça doit être exceptionnel. Et dans d'autres cas, la personne aussi qui est excusée de ne pas avoir fait salat à l'heure, celui qui dort, il n'a pas fait attention, il s'est endormi. Quand il se réveille, il fait salat dès qu'il se réveille, Inch'Allah. Celui qui a oublié aussi. Celui qui croyait qu'il a fait salat, il a oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَلْيُصَلِّيهَا حِنَا يَذْكُرُهَا. Qu'il l'a pris dès qu'il s'en rappelle. Dès qu'il s'en rappelle, il l'a pris. Mais en dehors de ces moments-là, en dehors de ces excuses-là, on n'a aucune excuse de délaisser la salat à l'heure. Aucune. Est-ce que vous entendez pas la parole d'Allah Ta'ala qui dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah Ta'ala dit malheur et malédiction aux prieurs, ceux qui négligent leur salat. C'est pas celui qui la fait pas. Celui qui la néglige, il la fait en dehors de ses horaires. Alhamdulillah qu'Allah Ta'ala dit عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il n'a pas dit فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Sinon, on est tous perdus. Ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui négligent leur salat. S'il avait dit « fil salatihim sahoun », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concentrés dans la salat. Ça, on serait dans le danger. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a dit ceux qui négligent, c'est-à-dire ce qui est extérieur à la salat. Non. Donc, les horaires de salat, ils sont bien déterminés. Salat al-subh, c'est quand il apparaît à l'horizon le trait blanc, qu'on distingue le trait blanc du trait noir. Ce qu'on appelle le crépuscule.
Quand le crépuscule apparaît à l'horizon, l'heure de Fajr est entrée. Et elle doit être obligatoirement priée avant que le soleil ne se lève. Avant que le soleil ne se lève. Ça, c'est l'heure de Salat al-Subh. Salat al-Dhuhr, c'est dès que le soleil décline de son zénith. Le soleil, le zénith, c'est-à-dire quand il est le plus haut dans le ciel dans la journée. Dès qu'il commence à décliner, à pencher vers le coucher, ça y est, l'heure de Dhuhr, elle commence. L'heure de Dhuhr, elle commence. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'heure de l'Asr. Et l'heure de l'Asr, elle est quand? Quand l'ombre d'une chose atteint sa taille, en plus de la taille de l'ombre qu'il y avait au moment du zénith. Attention, par exemple, comprenez bien l'histoire de l'ombre du zénith, c'est important, car sinon il y en a certains qui vont se tromper. Au moment du zénith, au moment où le soleil est en plein milieu du ciel, selon le pays où l'on est, et selon la période de l'année dans laquelle on se trouve, il y a une ombre plus ou moins grande. Parfois ici en France, à l'heure de Dhuhr, ou juste avant Dhuhr, l'ombre elle est déjà deux fois, trois fois plus grande que ta taille. Certains ils se trompent. Il dit, ah, l'heure de l'Asr, elle est rentrée, regarde, l'ombre, elle a déjà dépassé. Non, non. Il faut rajouter l'ombre qu'il y a au moment du zénith, comme il est venu dans des hadiths sahih. Ma'a zayi, ma'a fayi zawal. Comme il est venu dans certains hadiths, fayi zawal. Le fayi, c'est l'ombre qu'il y a au moment du zénith. Donc, si au moment du zénith, par exemple, tu mets un bâton sur la... Si tu es dans un endroit où tu ne connais pas les horaires du tout, comment tu fais? Tu mets un bâton dans le sol. Regardez. Tu mets un bâton, tu le plantes au sol. Tu regardes à l'heure du zénith, l'ombre qu'il y a, tu fais une trace au bout de l'ombre. Tu fais une trace au bout de l'ombre. Dès que le soleil commence à se pencher, tu fais Salat al-Dhuhr. Dès que, à partir de la trace que tu as fait au bout de l'ombre que tu avais à l'heure du zénith, de cette trace-là, si il y a encore l'ombre qui augmente jusqu'à la même taille que le bâton, alors l'heure de l'Asr est arrivée et l'heure de Dhuhr est finie. Vous entendez? Donc tu plantes un bâton, à l'heure du zénith, tu regardes l'ombre, elle est où, tu fais une trace au sol, à la fin de l'ombre du bâton. Ça fait le double. Ça dépend, il y a certains pays, il n'y a presque pas d'ombre. Ceux qui sont proches de l'équateur. Ceux qui sont plus au nord, plus au sud, l'ombre elle est grande. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut regarder le zénith. Barakallahu fikoum. Donc on plante le bâton. On regarde l'ombre à l'heure du zénith. Combien? On fait une trace. Après cela, on laisse grandir. On peut même faire à l'avance, prendre le bâton, aller le mettre là-bas. Prendre le bâton, partir de la trace jusqu'à la fin du bâton, faire une autre trace. Quand on voit l'ombre atteindre la deuxième trace, l'heure de Dhuhr est finie et l'heure de l'Asr a commencé. Vous voyez? L'heure de l'Asr, elle commence quand l'ombre de toute chose atteint sa taille, en plus de l'ombre du zénith. À partir de là, l'heure de l'Asr commence et l'heure de l'Asr, elle se termine. Il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est quand le soleil jaunit ou est-ce que c'est au moins le temps de faire une rak'at avant le coucher du soleil? Ala kulli hal, l'heure, waqt al-khiyar, waqt al-ikhtiyar, al-ikhtiyari, le moment où on a le choix, c'est au maximum. Alors il y a un meilleur moment pour le prier. Entre le moment où l'ombre est à la taille de toute, l'ombre atteint la taille du bâton, et le moment où l'ombre atteint le double de la taille du bâton, en plus de l'ombre du zénith. Ça, c'est le meilleur moment pour prier l'Asr. Après, c'est le soleil commence à jaunir de plus en plus. Quand il jaunit, certains savants ont dit ça y est, l'heure de l'Asr est sortie. Quand il commence, il est bien jaune, jaune, il n'est plus blanc. C'est-à-dire que tu peux le regarder en face sans qu'il te nuise à tes yeux. À ce moment-là, l'heure de l'Asr est sortie, sauf les ashab al-a'dham, sauf celui qui avait une excuse ou la femme qui vient de se purifier pour faire par exemple pour faire salat al-Asr, etc. Même l'autre il priera, mais c'est makruh. C'est détestable et certains voient même que c'est haram. C'est le moment, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est salat al-munafiqin. C'est la prière des gens, des hypocrites. Ils attendent, ils discutent, ils papotent jusqu'à que le soleil devient bien jaune, presque rouge. Ils se lèvent, ils prient l'asr comme des corbeaux, il dit. Donc, barakallahu fikum, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette salat, la salat des munafiqin. La prière des munafiqin, des hypocrites.
Qu'allons-nous dire de celui qui l'a fait après le coucher du soleil? Si ça c'est la salade des munafiqin, alors la salade de celui qui le fait après le maghrib, c'est quoi? Donc ça c'est pour l'heure de l'asr. Al maghrib, il commence quand tout le disque solaire est complètement couvert derrière l'horizon. Quand le disque solaire en entier, il est sous l'horizon, l'heure du maghrib, elle a commencé. Et le maghrib, c'est recommandé de le faire au début de l'heure, de ne pas trop le retarder, bien qu'on puisse, alhamdoulilah, le retarder jusqu'à l'heure de l'Aïcha. Jusqu'à l'heure de l'Aïcha. Mais le mieux et la sunnah, c'est de faire le maghrib toujours au début de l'heure. Toujours vers les débuts de l'heure. Nah. Et le maghrib, son heure dure, comme il est venu dans le hadith sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le maghrib, l'heure du maghrib, ma'alam yarib al-shafaq. Tant que le crépuscule n'a pas disparu, c'est-à-dire tant que c'est pas l'heure de l'Aïcha. Quand le crépuscule rouge, c'est quoi le crépuscule? C'est les lueurs rouges qu'on voit à l'horizon. Où on les voit? Pour le Fajr et pour l'Aïcha, attention, c'est pas en ville où il y a de la lumière. Il faut voir ça dans un endroit dégagé. Quand le ciel est dégagé et il n'y a pas de pollution luminaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière autour qui te gâche la vision pour bien voir le crépuscule disparaître. C'est pas comme certains, ils sont en ville. Ah, il fait nuit là. Il passe comme ça, il fait nuit là, subhanallah. Ça y est, c'est l'Aïcha. Là, là, ici, ça veut rien dire en ville. T'as la lumière, t'as les bâtiments, t'as toutes choses. Tu peux pas être sûr. Tu peux pas être sûr. Il faut sortir et voir dans l'endroit où il n'y a pas les bâtiments, où il n'y a pas les lumières de la ville qui te dérangent. Donc l'heure de l'Aïcha, c'est quand toutes les lueurs rouges dans le ciel, ils disparaissent. Quand il n'y a plus de lueurs rouges du tout dans le ciel, il ne reste que des lueurs blanches. Alors l'heure de l'Aïcha est entrée. Voilà en ce qui concerne les horaires de salat. L'Aïcha, l'heure de l'Aïcha, oui, on a dit le début de l'heure. La fin de l'heure de l'Aïcha, c'est la moitié de la nuit. Quand la moitié de la nuit est arrivée, on est sorti de l'heure de l'Aïcha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement dans le hadith, l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit, dans un hadith sahih. Il l'a dit clairement comme ça. Donc quand la moitié de la nuit arrive, l'heure de l'Aïcha est sortie. La moitié de la nuit, comment on la connaît? On calcule entre le maghrib et le fajr. Entre l'heure du maghrib et du fajr, on calcule combien il y a d'heures. Après, on prend la moitié. On rajoute à partir du maghrib la moitié et on voit quelle est la moitié de la nuit. C'est simple. En ce moment, je crois que c'est à peu près vers les 1h du matin, depuis qu'ils ont changé l'heure. Donc l'Isha doit être obligatoirement fait avant cette heure-là. Voici les horaires de salat. Alhamdulillah, regardez, la plage horaire, elle est vaste. Quand vraiment quelqu'un a une difficulté, il a un cas exceptionnel, il peut réunir entre Vohr l'Asr, Maghrib l'Isha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith de Muslim. Donc il n'y a aucune raison de rater les salat. Aucune. Ni le travail, ni la fatigue, ni rien du tout. Sauf quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui s'est endormi, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait exprès, en dehors de sa volonté. Mais volontairement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et c'est un grand péché. C'est min al-kabair. Il y a même certains parmi les savants des Hanabila, parmi les savants du madhhab al-Hanbali, qui disent, celui qui délaisse intentionnellement une heure, une prière, sortir sans la faire intentionnellement, c'est un kafir. Pour vous dire, je ne dis pas que c'est la parole la plus juste, mais c'est pour vous montrer comment c'est grave. C'est-à-dire certains savants, ils vont jusqu'au point de dire ça. Donc ce n'est pas rien du tout de délaisser la salat à l'heure. Pourquoi Allah Ta'ala il a instauré le tayammum? Justement pour faire salat à l'heure. Car sinon, Allah Ta'ala il aurait pu demander que tu attendes d'avoir de l'eau. Quand tu as de l'eau, tu fais le wudu et tu fais ta salat. Allah Ta'ala a instauré le tayammum. Pourquoi? Pour que tu fasses salat à l'heure. Donc la prière dans sa plage horaire, c'est une des plus importantes des conditions de validité de salat. Une autre règle. Ça, c'est important. Écoutez bien cette règle-là. Tant que tu n'as pas la certitude, ou bien ralibubvan, ou bien que tu penses vraiment fortement que l'heure de la salat est entrée, tu n'as pas le droit de prier. Ce n'est pas juste avec le doute ou le vent, ah peut-être elle est rentrée. Non.
Tant que tu n'as pas la certitude que l'heure de salat est entrée, tu es encore dans l'horaire d'avant. C'est ça l'asl. L'asl baqa'u shay'i 'ala ma kan hatta yatabayyana khilafuhu. Comme ils disent les ulama dans l'usul, la base c'est que une chose elle reste sur son état tant qu'il n'y a pas la preuve de son contraire. Donc la preuve, la base c'est qu'on est encore dans l'heure du Maghrib jusqu'à qu'il y ait la preuve que l'Aïcha est entrée. La base c'est qu'on est encore dans l'heure de Dhuhr jusqu'à qu'il y ait la preuve que la Hassan est entrée, etc. etc. Wadih Inch'Allah? Non. Donc les horaires de salat c'est pas une chose que l'on fait comme on veut. Ah tiens ça nous arrange, on va mettre une heure. On va mettre une heure et quart entre Maghrib et Isha. C'est plus facile. Ah, si c'est plus facile, pourquoi Jibril il est venu nous dire à telle heure et de donner les débuts des horaires des prières et la fin? Si on fait comme on veut, ça sert à rien. Tous ces hadiths, tous ces versets, à quoi ils servent alors? On a décidé de fixer une heure et demie entre Maghrib et Isha. Peu importe l'heure, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée, une heure et demie. Pourquoi? Ah ben c'est comme ça. Parce que des ulamas dans leur pays, ils ont fixé une heure et demie. Ah oui, l'Arabie Saoudite, c'est comme la France. L'Arabie Saoudite, toute l'année, jamais l'Isha, il est plus tard qu'une heure et demie après le Maghrib. Jamais. C'est entre 1h15 et 1h25, tout le temps. 1h15, 1h20, là, l'heure de l'Isha, elle rentre. Ici, tu n'es pas en Arabie. Hein. Si tu te crois en Arabie, fais salat aux mêmes horaires que l'Arabie. Allah Ta'ala, elle a donné des signes distinctifs pour l'entrée de la prière et la fin de la prière. Tu n'as pas le droit de sortir de ces signes sans une preuve du Coran et de la Sunna. Et fixé à 1h30 entre Maghrib et l'Isha, même ceux qui attribuent ça à Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Ibn Baz, ils l'ont fixé en Arabie. Et eux-mêmes, ils ont fait le fatwa que ça, c'était spécifique à l'Arabie. Et eux-mêmes, ils font partie du conseil de la fatwa qui a fait les fatwas des horaires des prières pour l'Europe ou, et pour l'Occident et pour les pays dont les latitudes sont très hautes. Et ils ont fixé qu'il fallait suivre 17 degrés pour l'Isha. Donc pourquoi ils n'ont pas dit 1h30? Donc ceux qui se basent sur ça, ils sont dans l'erreur totale. Barakallahu fikum. Et elles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tu peux me ramener la parole de qui tu veux. Si, comme on a dit, si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on la délaisse. Et les savants, ils n'ont pas voulu dire ça. Ils n'ont jamais voulu dire ça. Eux, ils ont fixé pour leur pays. Ils ont demandé à Cheikh, comme par exemple ici, je suis assis, tu vas me dire, il y a combien de temps entre le... Je vous ai dit quoi là par exemple? La moitié de la nuit, c'est 1h du matin. Est-ce que ça, ma parole, elle est valable dans un autre endroit qu'ici? Non. Voilà. C'est-à-dire, j'ai donné une réponse par rapport à où je suis. On va aller demain maintenant, on va prendre mon discours, on va faire écouter ça à quelqu'un en Afrique qui est francophone, il va dire à 1h du matin. Est-ce qu'il aura raison? Il aura tort. Il faudra qu'il calcule la moitié de la nuit chez lui. Wadih Inch'Allah? Non. Comme ici, en été et en hiver, les plages, l'écart entre les horaires de prière varie. En hiver, on n'a même pas 2 heures entre Dhuhr et l'Asr. En été, on a 4 heures entre Dhuhr et l'Asr. Comment on peut accepter ça pour Dhuhr et pour l'Asr et pour les autres prières? On n'accepte pas ça pour le Maghrib et l'Isha. Et on dit que toute l'année, il y a le même écart. C'est pas possible. Dans ce cas-là, alors même en été, fais l'Asr 2 heures après Dhuhr. Toujours. Est-ce que ce sera valide? Non. Donc, en été... l'écart qu'il y a entre le début du Fajr et le Shuruq, il est plus vaste, il est plus large. Des fois, il atteint 2 heures. Parfois, il peut atteindre même 2h30. Alors qu'en hiver, c'est 1h15, 1h30, un peu moins, un peu plus. Al-Muhim, en résumé, on ne peut pas fixer les horaires de prière par des laps de temps fixes toute l'année entre les horaires. Celui qui dit ça, il est dans une erreur évidente. Et les calendriers, ils doivent être basés sur des tests visuels exacts. Des tests qui sont faits par des spécialistes de la science religieuse et qui font ces tests-là. Il y a certaines personnes, ils ne reconnaissent pas les signes. Tu vas l'emmener ici dans les champs, tu vas lui dire, est-ce que l'heure de l'Isha est rentrée? Il ne reconnaît pas, il n'est pas capable de reconnaître les signes. Même l'entrée de l'Fajr, il n'est pas capable de reconnaître. Il ne sait pas c'est quoi le khaydoul abiyad. On est nous, on a grandi ici dans le béton. Qu'est-ce qu'on connaît à ces choses-là? Barakallahu fik. Donc ça, c'est des choses qui sont... Il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. Et alhamdoulilah, ils nous ont fait des calendriers basés justement après des tests, après des vérifications, après des conseils de fatwa, des ulama, qui ont statué sur cela. Et ils n'ont pas fait cela pour nous rendre la vie difficile,
mais pour nous donner quels sont les horaires de prière. Tout simplement. Tout simplement. Naam. Donc ça, c'est très important. Barakallahu fikoum. L'entrée d'heure de prière et la fin de l'heure de prière, c'est des choses à respecter. Barakallahu fikoum. La sixième condition, elle consiste à couvrir ce qui est obligatoire de couvrir pour la salat. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, « Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjid. » Ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure. C'est-à-dire, embellissez-vous pour salat. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui ne se voile pas dans sa prière. » Naam, d'une femme pubère, bien sûr. Aussi, il a été rapporté dans le hadith sahih, le hadith de Salama ibn al-Aqwa, qui a dit au messager d'Allah, « Quand je pars chasser le gibier, je me contente de prier dans une tunique faite d'une seule pièce. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, « Certes, mais à condition de maintenir fermée cette tunique, ne serait-ce qu'avec une épingle, ne serait-ce qu'avec une épine. » Naam, ce hadith est rapporté par Tirmidhi. Et Ibn Abd al-Barr, ce muhaddith, l'Andalousi, l'Andalou, rahimahullah, a mentionné qu'il y a consensus entre les savants concernant l'invalidité de la prière d'une personne priant nue alors qu'elle est capable de se couvrir ses parties. Alors qu'elle est capable de se couvrir le corps. Comment le corps doit être couvert? Quand on dit couvert, quand Allah Ta'ala dit « Khudu zinatakum inda kulli masjid » couvrir une chose, ça a des conditions. Est-ce que s'il est couvert par quelque chose de transparent, ça s'appelle couvert? Répondez-moi. Non. Non. Est-ce que si c'est couvert par quelque chose de moulant, ça s'appelle couvert? Non. Donc quelque chose qui moule ou quelque chose qui est transparent, ça ne s'appelle pas couvrir sa nudité. Couvrir, c'est le fait de ne pas voir ce qu'il y a derrière. Comme quand tu fermes la porte chez toi. Tu fermes, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc si tu couvres les parties qui sont obligatoires à couvrir, on ne doit pas savoir ce qu'il y a derrière. On ne doit pas voir la forme ni la couleur de ce qu'il y a derrière. Et ceci est nécessaire pour les femmes et pour les hommes. Pour toutes les parties qui sont obligatoires à couvrir. Il faut savoir une chose. Il n'est pas nécessairement... ce n'est pas nécessairement tout ce qui est obligatoire à couvrir dans salat qui est obligatoire à couvrir hors dehors de salat ou vice versa. Il y a certaines parties que l'homme peut découvrir en dehors de salat qu'il devra couvrir dans salat. Les épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la salat d'un homme les épaules nues. Les épaules nues. Par contre, en dehors de salat, un homme qui montre ses épaules, ce n'est pas une nudité. Mais dans la salat, c'est une nudité. Dans la salat, il ne pourra pas prier les épaules nues. Il faut qu'il ait quelque chose. Il faut qu'il ait quelque chose sur ses épaules. Ah. Beaucoup de gens qui font l'erreur pendant le pèlerinage et prient après. Avec... Pendant le pèlerinage, comme le frère m'a fait remarquer, on découvre l'épaule qu'au moment du premier tawaf, c'est tout. Après, il faut recouvrir l'épaule tout le temps. Quand on va pour prier de rak'at derrière maqam Ibrahim, il faut recouvrir l'épaule. Donc, pour l'homme, l'obligation, c'est qu'il couvre du nombril aux genoux et les épaules. Ça, c'est le minimum obligatoire pour la salat pour un homme. Pour une femme, tout doit être couvert, sauf le visage et les mains. En ce qui concerne les pieds de la femme dans salat, on ne parle pas d'en dehors de salat. En dehors de salat, il est obligatoire de couvrir ses pieds. On parle dans salat. Certains voient que ce n'est pas une obligation, certains voient que c'est une obligation. À la kulli hal, il vaut mieux qu'elle les couvre, Inch'Allah, avec un vêtement qui tombe large, qui tombe par terre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux femmes, quand elles sortent à l'extérieur, de porter un vêtement même qui traîne d'un empan en plus, pour qu'elles soient sûres de bien être couvertes. Pour qu'elles soient sûres de bien être couvertes. Nah. Donc, ça c'est une chose, barakallahu fikoum. Aujourd'hui,
Les musulmans et les musulmanes ne savent pas couvrir leur nudité, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans la vie, que ce soit devant le maharim, devant les personnes de la famille. Wallah al-azim, ils ne connaissent rien de ces règles-là. C'est une question de goût. Et ça, comme il veut, quand il veut, selon son goût, selon son désir, selon son plaisir. Si son goût il lui dit de se mettre à moitié nu, il se met à moitié nu. J'ai envie. Pourquoi? Pourquoi? Ah, j'aime bien, c'est joli. Taïb, est-ce que c'est Allah Ta'ala, il t'a donné des règles à respecter ou tu es libre? Est-ce que tu es un serviteur? Est-ce que ton corps, il t'appartient déjà? Ton corps, il ne t'appartient pas, il appartient à Allah. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui te l'a prêté. C'est Allah Ta'ala qui a créé ce corps et te l'a prêté. C'est pour ça que tu fais pas ce que tu veux de ton corps. C'est pour ça que tu peux pas te faire du mal. C'est pour ça que c'est interdit de se faire du mal. Certains vont dire, je me fais du mal qu'à moi-même, c'est pas grave. Je fume, ça me fait du mal qu'à moi-même. Mais Allah, il t'a interdit. Allah Ta'ala, il dit, wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Ne vous tuez pas vous-même. Tout ce que tu te fais, tout ce qui peut te faire du mal, c'est interdit. Subhanallah, Allah, il est plus miséricordieux avec nous que nous-mêmes. Wallahi al-azim. Vous croyez que qu'est-ce que ça fait à Allah si quelqu'un il boit du vin ou il mange du porc? Ça fait quoi à Allah? Tu lui fais aucun mal. Si tu le délaisses, tu lui fais aucun bien. C'est pour toi, ya Abdallah. C'est ton bien. C'est toi qui gagne des récompenses. C'est toi qui préserve du mal. فَكَذَلِكَ Allah Ta'ala, il a donné des parties obligatoires à se cacher. Quand on sort de chez nous, devant les proches, dans salat, tout ça, il faut l'apprendre. Il y a des règles différentes selon le lieu, selon la personne. Ce n'est pas comme tu veux, ce n'est pas selon tes goûts, ce n'est pas selon tes désirs. Alhamdulillah, Allah, il a permis des choses... il a permis que le mari et la femme, quand ils sont seuls, ils peuvent voir ce qu'ils veulent l'un de l'autre. S'embellir comme ils veulent. Pourquoi la femme, elle a besoin de s'embellir dehors? Est-ce qu'elle n'est... C'est l'embellissement, ça doit être pour son mari ou pour les gens? C'est exclusivement pour son mari. La femme peut s'embellir pour son mari, ce qu'elle ne peut pas faire devant même des fois ses sœurs ou sa propre mère. Non. Par exemple, une femme, elle n'a pas le droit de montrer ses cuisses à sa mère. Les cuisses, ça fait partie de la nudité, même devant la mère. Même devant sa sœur. Sauf s'il y a un besoin, par exemple, elle a besoin de se faire soigner ou quelque chose, un besoin. Mais à part ça, elle ne doit pas montrer. Un homme, pareil, il ne montre pas ses cuisses à ses enfants, à sa famille, tout, mashallah. Bien qu'il y a divergence, est-ce que le bas des cuisses, il est nudité ou non? Quoi qu'il en soit, si entre hommes, un ami proche, comme le prophète Sarasim était assis et il avait son izar levé, on voyait une partie de son genou, une partie de sa cuisse. Et Abu Bakr est entré, il n'a pas couvert sa cuisse, le bas de sa cuisse. Et Omar est entré, il n'a pas couvert. Quand Uthman est entré, il l'a couvert. Il a dit, les anges ont de la pudeur pour Uthman. Donc, ça prouve que quand c'est un ami proche, des gens proches, pour un besoin, pour quoi que ce soit, ou sans faire exprès, si le bas de la cuisse il se découvre, il n'y a pas de mal pour un homme. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on se balade les cuisses à l'air comme ça matin, midi et soir. Je ne vous parle pas de dehors. Surtout quelqu'un de jeune. Donc, barakallahu fikoum, il y a des règles à respecter, que ce soit dans la nudité entre les proches, dans la nudité entre les femmes. Même entre les femmes, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Elles ne peuvent pas mettre des robes de soirée moulantes où on voit tout. Non. Même entre femmes. Même entre femmes, si on disait que par exemple elles sont dans un endroit ou dans une piscine, elles n'ont pas le droit de se mettre en maillot de bain l'une devant l'autre. Même un maillot de bain qui va jusqu'au pied s'il est moulant. Il faut qu'elles mettent un vêtement large. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Certaines femmes, elles vont, mashallah, elles font par exemple des salles de sport entre sœurs. Quand elles sont dans les salles de sport, wallah, elles s'habillent pire que les kafirates. Elles se lâchent. Ya Ourti. Tu t'es préservé devant les yeux des autres dehors avec un djilbab, avec un hijab. Aussi entre femmes, il y a des choses à préserver, barakallahu fik. Il y a des règles. Allah Ta'ala, il a donné des règles. C'est pas comme tu veux. Ça, ma'al-asaf, c'est qu'on n'a pas eu l'éducation. On a une éducation ici,
où on montre notre corps, on montre notre personne. On n'a pas l'éducation de la pudeur, de se cacher. Illa man rahimallah. Alhamdulillah, il y a quelques familles, mashallah, qui ont éduqué leurs enfants depuis tout petit à cette pudeur. Jazakumullah khair. Mais c'est rare. Ça a été perdu. Wal haya ou min al-iman. Pourtant, la pudeur, ça fait partie de la foi. Donc, dans Salat aussi, l'homme, barakallahu fikum, il a des vêtements, dans ses vêtements, il a des règles à respecter. Comme on a dit, quand on a dit couvert, ses épaules et son du genou au nombril. Il ne doit pas mettre un pantalon moulant. S'il a un pantalon, il faut qu'il soit large. Il peut prier en pantalon s'il est large. Comme l'avant, il y avait les serwal, ou bien une espèce de pantalon de jogging large, où on ne voit pas quand il fait le recours, quand il fait le sujoud, on ne voit pas ses formes. Il peut, mais sinon non. Il faut que ce soit couvert, barakallahu fikum. Et ça même dans la rue quand on marche, c'est pas seulement dans la salat. Mais dans la salat encore pire parce qu'on fait recours, on fait sujoud, on fait des gestes où c'est-à-dire on tire le pantalon, donc il se moule encore plus. Vous comprenez, quoi? Donc il faut faire attention à ça. Autre chose, on voit certaines personnes quand il vient faire salat, il plie son pantalon du bas. Il le plie, il le met au-dessus des chevilles. Barakallahu fik, c'est toute la journée qu'il faut pas avoir des choses qui traînent en dessous des chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma asfal al-ka'bayn fa huwa fi an-nar. Ce qui est sous les chevilles, c'est au feu. Donc c'est pas seulement dans salat. Toute la journée, barakallahu fik, il faut avoir des vêtements pour l'homme qui ne dépasse pas les chevilles. La femme, elle peut. Donc le vêtement qui tombe, il ne doit pas dépasser les chevilles, jazakumullah khairan. Maximum aux chevilles. Wa qur rabbi zidni ilma.